Marie-Claude Genesi, bonjour. Bonjour. Directrice du PLI. Le PLI, c'est quoi ? Plan local pour l'insertion et l'emploi. Béziers-Méditerranée. Béziers-Méditerranée, sur l'agglo Béziers-Méditerranée. Vraiment très local. On va parler des rencontres pour l'emploi qui se déroulent ce mardi de 9h à 13h au Palais des Congrès. Tout à fait. Donc demain, les troisièmes rencontres de l'emploi. Cette fois-ci, c'est spécial logistique distribution avec des entreprises. Grande distribution. Distribution alimentaire. Donc, on a spécialisé dans ce secteur-là, toujours pour que les demandeurs d'emploi rencontrent des entreprises et pour faciliter les recrutements. Voilà, c'est une sorte de job dating. Hein. C'est une sorte de job dating. Il y aura une douzaine d'entreprises réunies ici derrière. D'ailleurs, on prépare le palais. Voilà, vous êtes en train de mettre les tables. Tout à fait, de tout c'est installer. Important l'organisation des tables. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est précis. C'est précis, tout à fait. Et deux centres de formation qui font des formations dans ce secteur-là, donc Purple Campus et l'Aftral. Nous organisons ces rencontres toujours en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale, la ville de Béziers qui nous met à disposition le palais. Tout le monde participe, c'est ça le but. Tout le monde participe et l'agglomération bien sûr. On a vu de l'affichage en ville aussi. On a vu de l'affichage. Il y a eu un article dans le Midi Libre. Donc il y a beaucoup de communication. Il y a eu beaucoup de communication et beaucoup d'invitations aussi qui ont été faites au niveau des demandeurs d'emploi. On espère évidemment que le public sera au rendez-vous. Les entreprises seront au rendez-vous, seront prêtes à recruter sur des postes préparateurs de commandes, sur des postes employés libre-service, sur des postes de caisse, en CDD, en CDI. On a cité quelques-uns des partenaires. On peut citer, alors il va y avoir Auchan, il va y avoir Carrefour Market, côté distribution, il va y avoir le groupe Barba, pour en citer c'est certains. Pas rien. Voilà, donc des entreprises importantes qui sont en manque de personnel et qui veulent recruter. Voilà, qui ont des vrais besoins. Ce n'est pas, ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Non, pas du tout. Ils ont des vrais besoins et ils viennent pour recruter. Un petit bilan sur la dernière fois, le thème c'était la restauration. Oui. 200 personnes sont venues, vous m'avez dit. Alors, au téléphone. 200 personnes effectivement sont venues. Nous avions une trentaine d'hôtels, de restaurants du Pétérois qui sont toujours en recherche de personnel. Mais c'est tendu dans la restauration. C'est très très tendu. Tous les secteurs sont tendus. C'est pour ça qu'on organise ces rencontres spéciales. C'est vrai que bon, c'était intéressant. Il y a eu des recrutements, il y a eu de belles enseignes aussi qui sont venues, de beaux restaurants qui étaient là, de belles adresses. Donc, je pense à l'ambassade notamment. L'ambassade, il y a eu Gilles Goujon. Qui vient d'obtenir sa première étoile. Exactement, donc voilà, il y a eu de belles adresses. Donc au fil, ça c'est la troisième sous cette forme-là, au fil des rencontres, vous précisez les choses, vous affinez, vous précisez le concept. Alors oui, on s'affine. Les entreprises sont très preneurs de ce genre de manifestation parce que ben elles vont à la rencontre de public. C'est du concret. Merci beaucoup Marie-Claude. Un jour, peut-être pas cette fois-ci, mais une parce que vous allez en refaire d'autres, j'imagine. En ça s'ancre dans la tout régularité. Tout à fait. On va être assez régulier dans l'organisation de ces rencontres. En principe, on en fait des prochaines fin juin. On refait dans l'aide à domicile, puisque l'aide à domicile aussi a des besoins de nouveau et pas uniquement des besoins saisonniers. Donc, on fait vraiment dans les secteurs qui sont en tension au niveau recrutement. Mais on viendra en immersion aussi pour voir comment ça se passe, cette rencontre entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Mais vous serez bien accueillis. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à vous.